Jovenel Moïse, premier petit ancien président Jovenel Moïse, parle. Dans une note li mette public, li déclaré. Pour célébrer deuxième anniversaire assassinat papal, 7 juillet kap vini la, famille a organisé une cérémonie privée pour éviter tout contact avec potentiel complice lâche assassinat président. Chef police la te croisé ensemble avec secrétaire général adjoint l'ONU. Aïe, rencontre ça qui te fait hier dans Pétionville. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, selon chef police, là, c'était une rencontre fructueuse. You understand? L'idresse bilan la police, bah, madame. Et non seulement ça, tout s'est pas des à trois belles promesses qui pas faites pour la police. Grosse cérémonie mystique à préparer pour fête. 7 juillet, cap vini là, dans base arabe, bougie guettant limé, sekay décoré. Frères et sœurs bien-aimés, ou pral ouais. Président Luis Abinader, dans l'autre bout a frappé international la fort. Selon déclaration, international la levé chahi pays d'Haïti, la guerre sous do République Dominicaine. Dans sens ça, li mande yo pou yo pren responsabilité yo, elle passe pren organisation droit moun yo kap di oui, droit haïtien ap viole la kaili, et tandis que c'est dans pays d'Haïti, droit haïtien yo ap viole. Donc si yo reme haïtien kon sa, ke yo al defon haïtien nan pays d'Haïti, li même pi gap yes moun vin passe l'ordre sous politique migratoire. Pays. Depuis la semaine passée, information kap sikile comme quoi des groupes rivales dans la commune Cité Soleil t'a fait la paix. Dirigeant initiative citoyen pour changement Cité Soleil qui réagit sous dossier ça, sa lié vent la paix sa kap soufflé sous commune. Gustave Benoît lance yon appel bay citoyen yo pour yo commencer nettoyer zone yo pour citoyen capable sikile libre et libre. Pendant le mandat, ensemble avec le gouvernement, prend responsabilité pour créer conditions pour que la Cité Soleil soit capable de vivre tant que le monde. Dans une visite spéciale qui fait dans le pays d'Haïti, pendant le week-end, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a parlé ensemble avec le premier ministre Ariel Henry, avec divers lots sous crise politique, sécurité, élection pour citer si la yo seulement. C'est quelques parmi points qui étaient sous table discussion. Le secrétaire général des Nations Unies plaide en faveur d'une force étrangère pour venir aider la police résoudre le problème gang dans le pays d'Haïti. Directeur financier ONA, Pierre-France Lubin, invité dans ULCC lundi 3 juillet 2023 pour albay explication sous contrat location plusieurs véhicules blindés qui étaient signés sous nom ONA pour gros somme l'argent. Divers prêts hypothéqués avec l'argent quelques autorités publiques, politiques, te fait dans institution alors que donné ou effacé dans système ONA. Responsable service génie ONA, lui-même tout doit al répondre question enquête ULCC mardi 4 juillet kap vini la, concernant yon propriété ONA acheté dans commune Pétionville, nan mais ancien député commune Keskofla qui c'est Alfredo Antoine pour yon quantité 86 millions de goudes. Depres mes bandits, Valet Baptiste yon nan échange coup de balle avec la police dans la commune Delma matin dimanche 10 juillet 2023. Individu sa yo, jouen l'amboy yo dans zone Delma 33, pas trop loin laboratoire national la. Eh bien, monsieur sa yo, yo tap tenté de chepiller machon qui tap vann dans zone sa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans le journal Tout Haïtien Connecté. Foucault Zami InfoPower ak Sever kap présenté ou édition sa. N'a débarqué dans commune Cité Soleil. Initiative citoyen pour changement Cité Soleil. ICCS qui a prêché dialogue dans Cité Soleil depuis tant. Salier valait la paix qui a soufflé sous commune. Eh bien, des groupes rivales, Gustave Benoît, qui est responsable ICCS, lance un appel by citoyen yo pour commencer à nettoyer la zone pour citoyen capable si qu'il est libre et libre. Gustave Benoît, t'es dans le micro, TAC 509. Pour nous évaluer à fond les pertes de la Cité Soleil et qui résultat qui commence à jouer avec un corps pour la paix. Nous tous connaissons en septembre, 8 novembre,
qui CCIS, qui c'est l'initiative citoyenne pour le changement de Cité Soleil, secondé ou accompagné par Viamo, Vision pour Haïti, pour le monde, Samaritaine Belge. Nous tous avons lancé un programme qui était le Cité Soleil en dialogue, qui était une commission à parler avec tout acteur qui n'a conflit ou n'a pas et conscientiser les citoyens, nous avons à tout secteur dans la commune Cité Soleil, que ça qui a passé dans Cité Soleil là, était inacceptable. C'est ainsi que la société civile Cité Soleil, l'ICCS, Viamo, à tout acteur qui a supporté et nous, et conscientiser et signer un accord avec 70 organisations pour nous dire nous voulons la paix dans Cité Soleil. Malgré le combat pas facile, la bataille était de longue haleine. Mais nous avons été avec conviction et détermination à toutes 70 organisations qui étaient dans nous, à tous les trois fondations qui ont la Cité Soleil, qui ont compris la nécessité pour que la paix soit faite, qui ont observé le programme. Et je dis à prier à monter grâce à la descente. Les gens qui sont dans toutes les trois zones qui étaient dans le conflit, ou dans l'autre qui n'ont pas passé dans la zone Tayo, aller dans la zone, rentrer manger. Ça veut dire que la paix a soufflé très fort. À la traka pour la vekaïté dans le pays ici. Là. Attends pour nos pays, messieurs chargés dirigeants. Donc, gang yo décide de pété bal, le ou vle. Yo décide de faire la paix, le ou vle aussi. Et puis, le ou fait la paix, nous bat bravo. Le ou pété bal, nous plaît. Mais pour qui ça nous, c'est chef? Bon, on nous quitte le dossier ça là pour le pas faire. Jean-Verlé Moïse, petit ancien président, dans une note, li mette public, peu pas ici, qui ça le dit. Eh bien, si t'en coûte ça, li prend pour le requiller, ça permet li réfléchir bien. Li toujours difficile pour lui, pour le tracer un li précis, entre potentiel coupable ou innocent dans assassinat papal. C'est pour ça. Ak en pile objectivité et ak prudence possible, li ap aplike présomption innocence sans aucune exception. Ça vle di, tout moun ki suspect, poursuivre ou bien présumé, tout autant yo pa déclaré coupable, jan la loi mande ça par un tribunal indépendant, impartial, ak yon procès public et équitable, sans ça, nous très loin. Toujours dans notre ça, il déclarait, mais m'a gardé dans conscience moi prudence, c'est maman sûreté. 7 juillet, c'est pral occasion pour moi ensemble avec famille moi pour nous continuer célébrer la vie papa dans un cadre privé. Moi pas vle prendre aucun risque pour éviter présence potentielle complice lâche assassinat papa dans un événement qui visait pour honorer mémoire. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gagné France, elle. Gagné France, elle. Gardez chef police là. C'est nèg qui fait plus photo dans la police. C'est nèg qui fait plus photo. Ou elle dit menti. C'est nèg qui fait plus photo dans la police. Moko chom saisi comme ça. Fait plus photo que opération. Déjà à qui saute passé à là, il était rencontré ensemble avec secrétaire général adjoint affaires politiques consolidation pour la paix dans l'ONU qui c'est madame Rosemary Di Carlo. Rencontre ça t'est déroulé dans la commune Pétionville. Eh bien, rencontre là t'est faite sous divers points. Et selon chef police, c'était une rencontre fructueuse. Il y a toujours fructueuse. Mais à la fin. Après, Chita parlé, à la fin. Qui ça fait? Des ans, il y a fait une rencontre fructueuse. Pour peuple haïtien. Rencontre ça qui te déroulé sous divers points. Situation, sécurité pays d'Haïti. Arrivé yon force multinationale pour la police, chef police la te accompagné ensemble avec divers gros grades. Bon, papa ici nous ka comprendre. Avant la police ban nous sécurité, faut la police sécuriser d'abord. C'est ça ou vle di nou. Le mande de force pour la police, yon met ensemble avec la police, li simple pour comprendre c'est que la police pas en sécurité,
faut que la police joue une sécurité d'abord et puis après ça nous-mêmes nous jouons une sécurité. Donc laisse sous ça. Madame Rosemary ba côté parle renouveler engagement l'ONU cap porter soutien pour rétablir la paix dans pays d'Haïti. Yo sous dismission la paix va rétablir dans pays d'Haïti. Yes, c'est la paix. Hein? La paix, papa, ici. Juste, ce pays a pas la paix. On nous quitte ça là. DGLB, dans l'occasion, ça, te profite, fait une présentation globale sous état sécurité pays. Résultat, PNH dans lit contre gang. Qui résultat? Qui lit? Qui gang? Défi, yon après rencontré dans l'institution. Dans instaurer yon climat paix en dedans pays. Dans rencontre ça, chef police la te souligné importance pour que capacité opérationnelle la police capable augmenter dans l'idée pour capable lutter contre grand banditisme. Oh yes, peuple haïtien. C'est une rencontre qu'a fait, c'est une photo qu'a fait. Souvenir. Des fois ouais chef yo habillé bien sérieux puis blanc juste ralon bagaille li lagé sous lui. Tellement yo pas prêt nous pour moi. À la traka pou la vekaite. Chay sot sou tête li tombe sous épaule, n'ap retourné nan commune Cité Soleil. Coordonnateur général ICCS la mande groupe armé yo pou yo krasé tout ça que yo te monté nan commune Cité Soleil et puis mette orgueil yo de côté pour la paix durable capable retourner nan commune nan. Gustave Benoît encourager l'État pour jouer participation, pour mettre centre professionnel et technique dans la commune, pour que les jeunes soient capables de suspendre quelques âmes. La paix, les petits pas de rien, pas dans la Cité Soleil. Quel que soit côté vaille, et qu'on a parlé, mon Dieu, tu as demandé l'élimination, tout simplement, tout bonnement, tout vaille. Fermez va, ouvrez l'école et le centre professionnel. Au petit peuple après le métier, nous ne pouvons pas tomber dans sa rue aujourd'hui. Nous comptons sur bonne volonté, messieurs, nous comptons sur l'État central qui doit emboîter le pas avec l'action des personnes qui fait dans ce pays pour au moins montrer que le pays a tapé dans sa rue et la population a souffert trop longtemps. Mais parce que, question va, pendant que je parle avant là, nous ne pouvons pas passer de moi, mais passer libre. Moun bi Brooklyn qui pas de passer sur route 9 y a le des pour manger yo bien yo qui a fait yo content non bamboche la baisse ça pareil madame a dit monsieur yo on nous quitter rancune yo de côté si on évalue chaque monde cap vivre sous la terre ou après chaque monde te bon côté li positif chaque monde bon côté te font erreur on apprend pardonner de tout cœur et accepter pardonner pour nous passer la paix la grève de conciliation pour pas gagner ni ma vengeance ni ma violence parce que violence et vengeance pas jamais fait sens sous aucune forme sous aucun prétexte. Merci à la traka pour la vekaite dans pays ici là c'est dirigeant yo qui félicite les bandits au lieu ces bandits qui félicite les dirigeants en nous quitter ça là et pour finir c'est volontairement groupe armé qui décide faire la peine en Cité Soleil à cause, je prends conscience de l'état commune, d'après coordonnateur ICCS, là, Gustave Benoît. Ancien magistrat Cité Soleil, là, mandé population Cité Soleil, là, pour faire la paix. Ça, confiant, selon Gustave Benoît, entendez-le pour une dernière fois. Ce n'est pas seulement accord de paix ICCS, là. Ce n'est pas seulement société civile, là, action que nous menons, qui va la paix. Mais c'est en conscience qui prend. Monsieur, vous-même, vous avez aujourd'hui, quel que soit lui qui vient dans cette soleil-là, c'est pied-bois, c'est là où c'est fatra qui fait. Monsieur, vous prenez conscience, vous n'êtes pas capable, vous êtes petite cité soleil. Vous avez des petits mouns qui levent dans cette soleil pour vous avoir ses propres, vous même cap détruire cette soleil. Vous prenez conscience et vous êtes d'accord pour faire la paix. Maintenant, nous demandons aux populations. Faire la paix à confiance, circuler dans toute route. Route qui barre, nous prenons le débarré. Route qui gagne patra avec la boue, avec l'eau, nous prenons déboucher le canal pour de passer pour nous sortir la paix et rentrer dans la Cité Soleil. Parce que les Cité Soleil malades, c'est tout mon pays qui est malade. Donc les Cité Soleil d'accord faire la paix, c'est tout pays qui est libéré.
Et je demande à parler avec vous, même là, Kounia là, n'importe citoyen qui a rentré et sorti dans n'importe zone qui est dans la cité solaire là. Nous disons citoyens, tête frère, CCS travaille à tout notre partenaire, tout le monde qui a mis tête ensemble, toute organisation de base. Nous avons une grosse organisation, nous les féliciter publiquement avec trois fondations. C'est fondation, c'est organisation comme victime. Comme victime, font pile travail pour s'arriver là. À la traque à papa. N'a pas quitté Cité Soleil, n'a pas débarqué dans l'ONA. Directeur financier ONA, qui c'est Pierre France Lubin. Eh bien, joint invitation ULCC lundi 3 juillet 2023 pour que li albay explication sous contrat location plusieurs véhicules blindés, li te signé sous nom ONA pour gros somme l'argent. Sous divers prêts, hypothèque à gros l'argent quelques autorités politiques te fait dans institution alors que donné yo effacé sous système ONA. Parallèlement, eh bien, responsable service génie ONA lui-même, li doit al répondre question enquêteur ULCC yo joukap 4 juillet kap vini là concernant yon propriété ONA acheté dans commune Pétionville nan men ancien député Kinskofla Alfredo Antoine pour yon quantité 86 millions goud. Information fait quoi? Des concernés yo qui signe contrat yo risque tomber en bas gros sanction la loi. Président conseil municipal Akaya Jean-Edner Gilles déplore Zak Bandio qui détourne trois bâtiments à toute marchandise semaine passée sous la main. Agent exécutif intérimaire mande ministère la justice, ministère intérieur et l'autre instance qui responsable sécurité dans pays pour yo prendre toute disposition nécessaire pour que yo mette sécurité sous la mer. En attendant, sécurité établie sous route nationale numéro 1. Plus détails ensemble avec Pascal Fleuristil depuis Akaye. Prenez exam cap opéré dans titan minoterie te détourné trois bâtiments ak tout marchandise qui tap vin Akaye semaine passée. Président commission municipale commune Akaye Jean-Edner Gilles déclaré Zak Malhonnête ça interpellé li. Li annoncé li déjà rencontré ak autorité semana nan commune nan yon façon pour planifier sécurité espace moun yo a voyager ya. Plus loin, agent exécutif intérimaire mandé ministère intérieur, la justice et toute l'autre instance qui responsable sécurité dans le pays pour prendre mesures pressé pour assurer sécurité mounyo sous la mer parce que c'est seul grand moyen pour population rentrer Port-au-Prince. À cause insécurité qui établit dans toute l'autre zone dans le pays, la commune Akaye vient tourner un carrefour côté moun rencontré pour prendre bâtiment pour entrer dans la capitale. La. Pendant disposition à prendre pour sécuriser la mer, magistrat Jean-Edner Gilles mandé autorité pour continuer travail pour libérer route nationale numéro 1, une manière pour faciliter moun traverser sans qu'elle saute. En attendant, agent exécutif la fait connait la continuer travail ak semana plus garde côte, yon façon pour tablir sécurité dans espace là pour éviter nèg exam fait d'appian dans zone nan. N'a fait songer vendredi 23 juin passé a nèg exam te détourné trois bâtiments, yo te touye youn nan marin yo et puis yo te boulé koa. Depuis arrondissement Akaye, Pascal Fleuristil, TAC 509. Merci Pascal. Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous comprenez, sous la terre, il y a un problème. Et mes kounya là, sous la mer, tout. Bandi yo attaqué. Bon, te quoi, dernièrement, la Canada a perturbé les gangs sous la mer. À la traque dans le pays ici. Là. Déprésimé bandi, Valé Baptiste, yon a échange coup de balle avec la police dans la commune Delma, matin dimanche de juillet. Individu sa rejoint nan moyo nan zone Delma 33 pas trop loin laboratoire national là nan moment yo tap tenté de chepier plusieurs machin d'après témoignage quelques habitants nan localité ça. Porte-parole secteur démocratique nan NIP qui se bené gelu fait qu'on est toute invitation la justice voye bayon série homme politique en d'un pays, c'est pour venir répondre à une question sur une série de dossiers impliqués. C'est manœuvre qu'a fait pour fermer bouche tout le monde, qu'a dénoncé ça qu'a fait qui mal en d'un pays. D'après Benet, eh bien, juge seulement a appliqué sa communauté internationale l'a dit
Antadel, Namiko, Henri-Claude Clercin, depuis Miragouane. Fait pour bail résultat à, avec bon patron yo. Ce phénomène cinématographique là qui a continué, côté que nèg yo temps en temps yo gon mode film yo présenté pour grand public là, en façon pour film réel là, cap joué à, pour yo pas pour moun pas focus sur lui, pour peuple là pas gain temps pour parler de misère et de grand goût de ça la passé là. De rêve nèg ça fait passer donc il y a joué film parce que relé Nanel Kassi sous question de BMPAD bon pas connait sous qui base parce que Nanel pas bon moi pas connait en tout cas m'pa gain information que Nanel tap travaille dans BMPAD en tout cas garçon plaider pour tête ou pas plaider pour ti nèg baborisite puisque m pa gen information ça donc m pa ka dire rien mais a la traka pou la vekayte nan peyi si la ou monsieur le la justice rele on série de vakabon yo dou se persécution le la justice décide fermer bouche li la justice complice bien que la justice son la justice vole vrai mais des fois yo kon fè on servi kolè. Son pays coquin net ou peuple haïtien. En tout cas, fak mwen di ou chef coalition Jean Denis ti mépris passé dans l'école nationale du clon de Dune vendredi 30 juin. Pendant visite li félicité parents yo qui fait un pile sacrifice pour voye ti moun yo l'école malgré contexte insécurité. Ti mépris encouragé ti moun yo travail pour yo réussi pour yo capable vinn servir pays. On nous suivre. Comment ça te dit? C'est dans l'école nationale nous vivons. Avec les timons, nous apportons un mépris. Un bel bâtiment. Avec tous les élèves, nous apportons un mépris. Nous sommes contents d'avoir que mépris vienne visiter l'école nationale là. C'est ça que nous avons fait. Le travail social, ça que nous avons fait. C'est les timons pour nous protéger, pour nous faire l'œuvre là. De quoi pour yon parle dans des âmes, pour yon parle dans des bagages qui sont négatifs, dans les âmes de là. Et jeudi, en coalition, li débarqué dans l'école nationale d'Edine, côté que tout le monde, tout le professeur, qui est content de reconnaître mes prix, côté que yon est venu, puis yon est accueilli mes prix. Et c'est ça nous fait dans plusieurs zones. Et direction de l'école, tu es content de recevoir nous. Dans les âmes de là, nous sommes contents parce que nous sommes dans Edine. Ok? À la traka pour la vie kaïté. Bon, nan jou passé au peuple haïtien, c'était inspecté avec belle veste, hein? Gros col melongue, l'inspecté a débarqué nos blocs, tout si moun campé, monté drapeau, a chanté bienvenue, bienvenue, à vous, nous sommes heureux. De vous voir parmi nous. Bienvenue, bienvenue à vous, nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Bienvenue, monsieur l'inspecteur, bienvenue, bienvenue. C'est comme ça nous te chanter. Mais allez, qui les peuple ici, c'est chef coalition. Ça, ne vont pas tourner derrière kay vrai, monsieur, dans le pays d'Haïti. Joune jodi a ce chef coalition qui a passé inspecter l'école yo. A la traka pour la vekaïté, papa. Et pas blague, non, frère Seche. Nan jou pas si yo me rappelé, m'te l'école tout. M'te fait de 3 jours. Oui, m'te fait de 3 jours grâce à Dieu. De 3 jours m'te fait l'école là. Donc c'était toujours un plaisir. L'otan de inspecter a débarqué. Directeur l'école mettait tout élève sous main yo gon façon pou yé faut uniforme propre yo garder chaussettes tout ti moun ki pi propre yo mettait au devant sa bouche yo pas surette yo mettait au devant pour chanter à haute voix pour yo wè gè travail ki fait l'éducation respectée mais journée jodi a mesdames mademoiselles et messieurs eh ben ces chefs coalition passé visiter les enfants l'école entendez toujours un bel bâtiment. Un bel bâtiment, bâtiment sérieux. Et nous disons merci avec toute diaspora de Dine.
Merci ensemble avec toute autorité l'édine et qui t'a accordé nos possibilités ça jeudi pour nous venir visiter l'école là. OK? Un peu de love, un peu de respect. Là, on a pour blindé avec là. Et blindé, attendez, non, qui ça signifie pour aujourd'hui? Et on a des dîmes dans l'école nationale des dîmes, qui ça signifie pour? Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi. On va se visiter toute l'école. C'est pour nos jeunes, Diclo qui est dans la commune des dîmes. Et c'est un fierté lieu pour nous. On a toujours bataille pour nous recommander nous avons un changement pour le département de la Tibonite. Si nous connaissons moi-même, nous avons un élève. Qui sera obsédé pour Tibonite dans la fin d'année ça? Bon, je souhaite pour vous travailler bien. Pour vous composer, pour vous capoter un bon résultat par parents, pour vous faire un content. L'année prochaine, la classe EA, pour vous ne pas retourner là-dedans. Ok, merci. Je vous dis, vous dites que dans l'école nationale là, qui ça a voulu dire vous, pendant que tout le monde vous accueille, vous avez un paquet de love, et qui ça a signifié pour aujourd'hui? Ça a fait que vous-même, dans le monde, vous décidez de vous apprendre. C'est ça qui en force pour moi. C'est ça qui est en moteur pour Haïti. Haïti, nous savons que ça va être domicile. Donc, nous d'accord étudier, nous d'accord apprendre, nous d'accord bagarre le pays. Nous d'accord diriger le pays. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous attendez inspecteur Mépris qui t'est passé inspecter l'école nationale des dunes. Bandi Axam nan sa vie, yo saboté plusieurs installations EDH dans différents rues nan bouk ti rivière la Tibonite semaine qui saute passé à la côté yo poté aller tout fil qui kon distribuer courant nan cité Creta Piero. Donc pendant week-end nan paysan planté nan localité la Verdi deuxième section communale ti rivière la Tibonite qu'on est moment difficile en bas mais bandi ça vient yo qui réclamait tout tes paysans yo bandi yo exige chaque paysan et plantait payer un total de $7,000 haïtiens pour que yo capable gagner autorisation pour yo travail terre yo. Désir Venesse depuis Petit Rivière la Tibonite a ban nous plus détails. Bandi Bas Gangriff Savien par décidé quitter pièce infrastructure dans commune Tirivière la Tibonite après yo té fin déchèpier centre de santé dans Gros Chaudière dans deuxième section Tirivière la Tibonite pour kounya yo débarqué dans centre ville là depuis dans commencement semaine là pour arriver dans week-end là yo pas suspendre désinstaller fil électrique qui passait dans poteau yo qui construit réseau pour té alimenter bouk Tirivière la Tibonite à courant EDH là bien que depuis un bon bout de temps EDH a pas jamais fait population en Welimier ça la cause que ensemble habitants qui vivent dans bouk Tirivière la Tibonite ou pas gen l'espoir du tout pour commune Tirivière la Tibonite revive tant qu'elle te kon vive dans tant de temps yo ensemble action sa yo pour te désespérance totale bon côté population qui te continue à faire résistance pour vivre dans bouk Tirivière la Tibonite depuis dans weekend nan c'est migration totale côté en pile monde a couri quitter bouk Tirivière la Tibonite pour y chercher refuge l'autre côté à cause exaction bandi yo même weekend nan bandi gangrifio débarqué dans localité La Verdu dans deuxième section Ti Rivière la Tibonite yo braqué tout paysan planté qui était dans jardin yo mandé yo quitter espace là pour yo négocier ak yo 35,000 goudes pour chaque récolte pour travail terre yo à part de ça pika yo mette point de pied yo sous terre yo bandi yo réclamé toute terre qui fait diri à Claude Danré dans deuxième section Ti Rivière la Tibonite dans La Verdu pour yo situation ça la cause population pratiquement la gué des bras balancé yo pas konn ki sen pour yo relé. Désir Venesse, Tirivier la Tibonite, Cité Creta Piero, TAC 509. Merci Venesse. Directeur départemental police Nord-Est là, commissaire divisionnaire Marc-André Cadostin, installé vendredi 30 juillet 2023, inspecteur municipal Ronald Eugène comme nouveau responsable commissaire police Wanamet. Il remplacé dans poste ça eh bien commissaire principal Bio mon cher Kevin Kounia commissaire divisionnaire et puis directeur départemental adjoint police Nord. Nouveau responsable commissariat police Wanamet là Ronald Eugène dans intervention le promette pour continuer travail avec ancien responsable là pour capable remplir mission comme ça doit pendant le mandat si pour population dans arrondissement Wanamet pour arriver traquer toute malfrat qui empêchait population vaquer à occupation le commissaire Ronald Eugène tenant micro TAC 509. Le travail qui nous attend mesdames et messieurs est immense. Toutefois, pour arriver à maintenir un climat sécuritaire, à garantir l'ordre public et à protéger les vies et les biens des citoyens au niveau de la commune, il nous faut
une franche collaboration entre tous les acteurs impliqués dans la chaîne de sécurité. Amen. Une franche collaboration entre toutes les forces vives de la commune en particulier et la population en général. Amen. C'est dans cette démarche que l'on finira par mettre hors d'état de nuit les malfrats, les chevaliers de nuit, les délinquants et les criminels qui ont fait pleurer de paisibles citoyens de la communauté Ouadanétesse. Mesdames et messieurs, je suis venu ici là pour me capable de promouvoir une police de proximité. Amen. Axée sur le respect des droits et de la dignité de la personne. Nous venons ici là pour nous renforcer, ça que mérite renforcer, pour nous consolider, ça que mérite consolider, et modifier, ça que mérite modifier. Moi, je voulais profiter de l'occasion ça, pour me dire, policiers, que présence nous ici, là, c'est pour nous travailler avec la population et pour la population. Par contre, nous demandons aux priorités professionnelles et comportez-vous comme des dignes auxiliaires de la justice et des institutions républicaines. Je ne souhaite pas terminer mes propos sans remercier le commandant-chef de la PNH, M. Franz Elbé, pour son leadership et son engagement à la tête de l'institution policière. J'en profite aussi pour remercier le directeur départemental, M. le commissaire divisionnaire Marc-André Cadossin, pour la confiance passée à moi. Mm-hmm. Des mots de félicitations à commissaire Bio Moncher, ainsi que l'équipe du commissariat pour avoir su maintenir la commune à un seuil de criminalité acceptable. C'est ça, papa. Pour faciliter liaison faite entre route nationale numéro 1, nan niveau Pongondé à Kafoujof, en passant par Marotte, direction départementale MTPTC, redémarre travail construction pont souterrain Saint-Tibienac là dans zone Kafou Gromon, dans l'idée pour permettre machine pour alouyo pas passer dans ville Gonaïve encore. Mackens lui depuis Gonaïve pour plus de détails. Dans un petit temps qui pas trop loin, machine pour l'eau qui qu'on a sorti dans Port-au-Prince, qui qu'on passe dans centre-ville Gonaïve là, pour rendre dans département nord, nord-est et nord-ouest, pral capable, refuser par coup si là, pour passer sur route Marotlan, qui relie route nationale numéro 1 dans zone Pongodin, pour aller tomber directement qu'à Foujof. Route si là, qui est souvent relée route 9, gagne plusieurs années depuis qu'il a commencé fête, dans l'idée pour te réduire circulation camion, bis, trailer et latrier qui toujours baille. Gros blocus sur d'Atlan, et parfois arrivé causer un pile accident. Malgré chantier asphaltage route 9 l'an campé depuis plusieurs années, responsable dans MTPTC te choisi maquiller en gros pas, là où décidé finaliser construction pont sous drain Saint-Tibienac là dans zone Kafougoumon qui pral faciliter liaison faite entre route 9 à Kafoujof. Depuis que le travail construction pont s'il a commencé, Foreman Augustin Nersegras a expliqué. Bon, travail ça nous menons commencé exactement depuis 6 mars 2023. Jeudi à la 30 juin. 30 juin. Ça fait nous combien mois? Bon, on dit mars. Ça fait avril, un mois, mai, juin, j'ai 3 mois. Oui, mais nous avons avancé, arrivé plus loin. Il y a un problème, la pluie, est venue, l'eau est venue descendre, ça est venue conduire le fond ralenti. Et de l'autre côté, ingénieur Daniel, qui est responsable chantier, a pu expliquer l'importance de pont là. Et puis, tout profiter de la date qu'il pensait que la construction a fini pour permettre la machine ce qu'il est comme ça doit. Aujourd'hui, à la soirée, là, ou après, c'est dans le collage d'Allah, nous est là. Okay. Et donc, pour nous, demain, c'est une finalise l'histoire. Qui est important, c'est un pont qu'on a gagné pour la population? C'est une grande importance parce que son pont qui a sorti depuis la route nationale, là, c'est une route qui détourne toute machine qui a sorti, qui va aller dans le Grand Nord, ça veut dire pour des pères Gaumon et Grand Nord, pour nous dire. Sorti dans le niveau pont Gaudin pour tomber Kafoujof. D'après Kafoujof, il n'y a pas besoin pour tourner tout et passer dans le centre-ville là pour venir là. Donc, une grande importance, c'est mettre toute zone dans tout. En valeur, c'est tout, c'est comme à dire en coto, c'est faciliter tout trafic là tout. Et bon, si pas de inconvénients, réellement oui. Bon, moi, directeur, nous, je dirais, depuis tout le bagage disponible,
connu moi septembre là possible pour nous arriver n'a fait connait selon un pile habitant dans bloc si là construction pont pral permettre développement fait dans zone là et permettre eux même ce qui l'est plus bien Mackenzie lui Gonaïve pour tac 509 merci Mackenzie. Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs vendredi 30 juin qui saute passé à là c'est date constitutionnellement gouvernement te doit déposer projet loi finance là dans parlement haïtien ça qui pas jamais rivé fait depuis plusieurs années à cause parlement écrasé dans sens ça plateforme politique chemin délivrance haïti qui exprimait préoccupation sur dossier ça dénoncé transparence qui pas gagné dans budget pays depuis quelques années c'est gouvernement qui choisit venir avec propre budget parle sans pas aviser la société à groupe organisé dans pays d'après dirigeant plateforme nan, qui c'est Céliska Jean Élisée qui était dans micro tac 609 nous même dans chemin délivrance haïti nous préoccupé par ça puisque et depuis quelque temps pas gain transparence dans question budget et budget national yo c'est opacité totale côté que c'est gouvernement qui décide lui-même et l'a mettre budget dehors sans aval société a sans aval parti politique organisation société civile sans aval des couches très importantes dans société a. Donc nous même dans chemin délivrance qui a fait politique et qui a fait de la bonne politique qui préoccupé par et me capable dire nouveau budget qui en préparation ça qui pral gagner pour disponible le 1er octobre prochain et nous même nous te souhaité connait qui gens qui ligne gouvernement après le bail budget ça puisque constitutionnellement parlant nous connaît que il y a deux types de budget que qui gagnait qui existait. Et il y a deux parties dans le budget. Excusez-moi, c'est un parti qui est là pour investissement et un parti qui est là pour dépenses. Et ça fait quelque temps que l'État haïtien n'a pas retiré rien pour investissement. Ça fait quelque temps que le parti qui est supposé aller pour investissement, c'est dans le paiement de dette publique qui aller. Donc nous-mêmes, nous préoccupons par ça puisque nous connaissons seul moyen. L'État qui fait un travail pour la société, c'est dans l'investissement. C'est là que y a une partie dans le budget national qui allait à l'investissement qui peut permettre que vous faites route, vous créez plus l'école, vous subventionnez la société, vous créez l'hôpital, font ensemble de services au profit de la population. Et ça fait quelque temps que nous parlons de ça, et nous-mêmes, nous faisons politique, nous faisons bonne politique, nous, conscients par ça, nous prenons position. Et face avec nouveau budget ça en préparation mais parallèlement tout et nous voulons un gros coup de chapeau pour équipe et parti politique et demain et spécialement député ancien député de Isdé Honnête qui tout préoccupé par et question 40% en dans budget national là qui prévoit pour collectivité yo et que depuis et me capable dire fondation nouveau régime ça qui soit disant chita sous démocratie avec depuis proclamation nouvelle constitution ça. Nous pas jamais d'accord pour nous mettre 40% dans le budget pour collectivité. C'est toujours le ministère de l'Intérieur qui toujours de laguer 50 centimes dans l'assiette collectivité yo. Ça qui vient faire que pas cap gagner de projets de développement qui fait en collectivité. Nous avons pensé que plaidoyer ça que aider m'a fait chemin de livre ça Haïti rentrer dans dynamique là et demander société haïtienne non, nous demander collectivité yo et magistrat communal Kazek Azek délégué de ville. Nous demander des membres de la diaspora. Nous demandons de monde dans le corps diplomatique là, secteur privé pour aider nous faire plaidoyer ça, pour pays à capable commencer investir dans la collectivité yo, pour que de projets durables et viables qui fait directement dans la communauté. Voilà, ou t'attendez responsable plateforme Edem. Donc mesdames mademoiselles et messieurs, souffle pour Haïti, c'est sous thème ça, ministère Shekina. Pasteur Grégory Toussaint a dirigé annoncé une marche pacifique dans le pays d'Haïti à quelques états dans le pays les États-Unis d'Amérique dans date 9 juillet qui a venu là permettre chaque grain haïtien assumer responsabilité yo envers nation en face à situation difficile pays a trouvé pendant dernier moment yo là principal objectif mouvement ça d'après pasteur Grégory Toussaint eh bien initiateur activité ça t'es dans micro tac 609 pour plus détail. C'est pas nécessairement une marche qui est planifiée d'avance. En réalité, nous commençons nos 40 jours le 4 juin
Nous commençons le dimanche et c'est le mardi, le 6 juin, que nous recevons un message clair de la part de Dieu pour organiser une marche en faveur d'Haïti. Maintenant, ça tombe bien parce que généralement dans nos 40 jours, il y a toujours un aspect social là-dedans. Donc, non seulement l'aspect spirituel, mais l'aspect social dans le passé. Donc, on a surtout fait des visites à la prison, l'hôpital. Et pour COVID là, nous avons surtout aidé des églises qui ont besoin de réouvrir. Donc, il y a quelques fois, nous faisons mariage collectif. D'ailleurs, on a fait avec ça encore. Donc, toujours un aspect social, on a fait les 40 jours de jeûne. Directive ça de la part de Dieu vient tomber bien dans le cadre ça que nous généralement fait dans 40 jours, aspect social dans 40 jours. Maintenant, on va rentrer rapidement dans l'objectif marche ça. Ça a gagné 4 objectifs. Numéro 1, c'est pour nous capables de prendre responsabilité nous. C'est d'abord pour responsabilité nous publiquement. Donc, Massa, le Haïti Absolutia à travers le monde, c'est pour dire comme ça que nous n'avons pas de responsabilité, nous, comme des citoyens ordinaires par rapport à nation, nous, par rapport à pays. Donc, dans ce sens, ça, marche ça un peu différent de toute l'autre marche, parce que généralement, l'on marche à fête, nous fait pour nous capables de mettre pression sur une tierce partie, sur une tierce groupe de personnes pour être capable de prendre responsabilité. Même en ça, même le but, hein, pour dire que n'absorbe pour nous prendre responsabilité. Nous. Donc, ça, c'est le premier objectif de marche. Marche pacifique à caractère mondial, ça a fait un objectif pour montrer communauté internationale là, principalement pays les États-Unis, la France, Canada, diaspora haïtienne, préoccupé par crise sécurité Haïti a fait face. D'après Pasteur Grégory, 200 organisations dans société civile là, 350 pasteurs et plus passé 50 000 moun déjà enregistrés pour participer dans marche mondial ça. Grégory Toussaint, Abdinou plus. Namiko, taxe 609. C'est-à-dire, réponse de la part de la nation, que c'est en Haïti ou à l'extérieur d'Haïti, lui vraiment surprend nous, et particulièrement la communauté chrétienne surprend nous. Généralement, la communauté chrétienne n'a pas très difficile pour mobiliser sur les questions sociales, mais réponse là, lui extraordinaire. Donc, jusqu'à présent, ma bonne idée. Donc, jusqu'à présent, il y a mobilisation qui a fait, marche ça, l'a fait dans tous 10 départements pays d'Haïti. Donc, en même temps, donc, pendant la période, la fête dans tous 10 départements pays d'Haïti en même temps. Massa, la fête dans 50 États des États-Unis en même temps. Tous les 50 États des États-Unis après en même temps. Massa a gagné 58 pays dans le monde qui ont participé là-dedans en même temps. Massa, dans le moment que la paléa, nous gagnons à peu près, nous gagnons à peu près 750 pasteurs avec l'église qui enregistrés, et bien pour nous faire partie de Massa, donc ça c'est donné que nous-mêmes nous gagnons en termes d'enregistrement, mais nous connaissons tout, il y a un pile d'autres pasteurs qui part enregistrer. Matin, dans mon briefing, par exemple, nous avons à peu près 200 pasteurs qui ont réuni dans Gonaïve le matin, hein, donc qui part enregistrer. Donc cela veut dire nous seulement parler du pasteur que nous gagnons enregistré, nous gagnons 750 pasteurs avec l'église, donc 4 marchés. Nous avons à peu près 200 autres organisations, donc 4 des marches là, plus une décadion quarantaine de pays. Donc c'est à peu près 1000, au moins nous avons 1000 organisations à travers le monde qui ont été ensemble pour nous faire marcher. Dans le moment que nous avons parlé là, nous avons à peu près 250 000 mounes qui enregistrés pour marcher. Encore, on me dit enregistré. Généralement, moun pas enregistré pour nos marches. Donc, cela veut dire minimum, massa, nous attendons que nous avons gagné minimum de 250 000 mounes. Le nous gardez demande maillot que nous gagnons, moun qui enregistré et demande maillot qui fait.
c'est gros causé, oui papa ici. 30 000 goudes, c'est quantité l'argent. Plusieurs machins dans marché tabac obligé payer yon backup la police pour passer ensemble avec marchandise en bas mon cabrit pour y arriver à vendre dans marché tabac. C'est ça qui gros conséquence, ça qui gain gros conséquence sous prix produit première nécessité yo malgré dollar américain baissé. Plusieurs machins qui pas caché frustration yo mandé démission premier ministre Ariel Henry dans tête pays. Un reportage ensemble avec Adjani Oximable. À cause phénomène gang à gang dans le pays, prix produit pour mes nécessités ont monté 17 ote. Ça qui la cause machin yo ak acheter yo ap monte yon masuif depuis yon bon bout de temps. Yon situation ki la gego kekase nan kere vande yo kap explique mize yo ap passe pour rive ak produit yo nan marché ya. Ce problème et sécurité ya, logon magasin de tabac la, ou kon ap chachon sa kalbe tou, baka jwen ni. Et mais moun ki gen nan ki fe forcing, ki paye yon backup ki passe avec navel la. Li même li font marché noir. Parce que produit va arriver à temps, vraiment pour distribuer la population. Parce que le problème côté, c'est l'armée, c'est gang qui occupe. Nous venons pas vivre parce que vous pas jouer un produit à l'air ou t'as besoin. Mais les gens qui font force, qui payent un backup, qui viennent avec là. L'air vient avec, ils vont être tête nègre. Produit va même descendre parce qu'il n'est pas libéré vraiment sur le marché. C'est avec un camion qui vous venez là. C'est quoi pour payer 4 000 $, 5 000 $, 6 000 $ pour payer pour passer avec vous. Pour trouver un sorti mal passe, pour venir là ou bien il y a des finances. Depuis en bas, il faut payer un backup pour passer avant. Et mais calculer les même que dollar te descend mais le monde n'a payé pas comme la ligne tire sur mon qui mal yo Elianet et yo machin a ransot tax 509 te parler avec li a tenté expliquer mise la passé dans marché tabac en bas fatra la bou senti mette sous client yo qui pas mandé yo parfois qui mort qui tuer l'empire mon yé 20 dollars pour moi derrière là vidéo mot pour moi mais dis ça mais ça m'a vendre belle ma gore m'a vendre encore ça va caber l'école pour tim l'école la fermé. Mais tu ne vas pas proposer les vols là. Américain descend. Ça évite 5 dollars et 20 000. Vous devez 6 dollars, 25 dollars et 20 000. Ça vend 6 dollars. Mais quoi pour les vols là? Mais ça me vend là. Depuis matin, mais ça me vend là. Je vais vendre. Nous avons goût. Petit, nous avons fini. Dans la fouille zone en Kalalou, nous contrer avec Marisa et yon machin a expliqué malgré l'argent américain descend, prix produit pour mes nécessités, toujours été bien haut. Pour nous manger, pour nous manger. Bon, même marcher, nous ne pouvons pas marcher. Parce que la caillou, pas. Exemple, moi même marcher là, moi même presque en cas de bon, même là, et là, quand même, c'est d'aller là. Mais quand je tire, je fais un là. Si ma chaîne yon a marché à passer, on m'a suivi à cause par les gens qui m'ont dit ça au pot pour vendre avec marchandise. Fredo, yon poté, a expliqué qu'il a passé tout. Nan mache a côté la vie pavle souri ak li. Plezye machan nan mache a pa kache frustration yo pou mande démission premier ministre Ariel Henry ki d'apre yo pa regle an nan peyi a. Mal fès! Oh! Nou ba li sekurite! Gon, 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 ki pou a mal fès! Gade ma pre Ariel ki pi gomandi sou te a! Ariel se pi gomandi ye! Nou ba ke l'autre côté pou nou ale! Ni pa ki président se sel premier ministre pa kane pa Ariel N'a pas signalé pour nous dire, depuis un bon bout de temps, prix produit pour mes nécessités, yo, passe span augmenté chaque jour dans le pays, ya, en bas de Naroué, autorité qui dans l'État. Malgré de la descente, c'est vrai, mais prix produit pour mes nécessités, yo, toujours été même gens. Est-ce que prix produit a continué à être même gens? Il y a une réponse. En pile mon aptan. J'aime bien la vie avec les bails, je suis descendu quand même. Parce que l'orgue, c'est quand même pour avoir changé avec. Adjani Oximable, Saint-Fleur, Tax 509. Merci Adjani. Dans une conférence pour la presse, les bails, journée 30 juin 2023. Représentant Société Civile Nord-Ouest, là, Pasteur Jean-Claude Terville, exprimer préoccupation li face à situation chaotique département nord-ouest spécialement ville pour des paix a fait face leader religieux a mandé pour gouvernement Ariel Henry décaisser 15 millions de dollars pour faire tronçon route pour des paix en sa folère Jebson Petit depuis Port de Paix a dit nous plus sous dossier ça
Représentant Société Civile département Nord-Ouest, révérend pasteur Jean-Claude Terville, présenté préoccupation face avec situation département Nord-Ouest à Trouville dans dernier moment sa yo. Côté gagné divers chantiers qui étaient commencés depuis sous président Jovenel Moïse qui campait. Mettez sous ça, MTPTC Nord-Ouest lancé dans dernier moment sa yo, travail sous route port de paix en Safolea. Côté gagné environ 15 millions de dollars américains qui disponible dans la Banque nationale pour capable faire commencement travail yo. Depuis sous président Jovenel Moïse, comme ça disponible, les pour que j'aime décaisser. Pasteur Jean-Claude Terville questionné pour demander avec l'État haïtien qui ça département Nord-Ouest l'a fait, l'a payé, qui la cause travail ça au même yo campé. Pasteur Terville. Nous convoquer nous et demander nous aider juste ça parce que moi frustré. On pas capable encore. Dernièrement on va prendre un petit moi rencontrer le ministre de TPTC. Et les gens vont aller voir nous. Dans le port de paix, route, port de paix, ça voulait pas faire. Et je voudrais m'adresser directement à M. Ousmane Poirel, ministre de TPTC. Je parle de qui c'est qui a le port de paix. Pour qui ça, n'est-ce pas que le port de paix avance. Et m'adresser à M. Ariel Henry, Premier ministre, pour qui ça, il n'y a pas de paix avancer. Pour savoir le nord doit avancer. Ce n'est pas possible. 15 millions de dollars que la BIC est bloquée, qui n'a pas national, jusqu'à présent, pas de débloquer. J'ai rencontré le directeur de TPTC, M. Angelo. Il dit qu'il faut commander 9000 gallons de gaz, de 1000 gallons de gaz. Donc, ça montre que nous faisons exprès d'avoir un complot contre Nord-Ouest. Particulièrement contre Nord-Ouest. Donc, je me demande comment ça cesse. Pour l'idée, l'église baptiste Bethany en ville Port de Paix, c'est un complot qui nègre pouvoir en place au fait pour capable humilier le département Nord-Ouest, la ville Port de Paix en particulier. Si nous avons fini pour nous poser question, qui est l'État a décidé pour capable faire route pour de paix Jean Abel là? Qui est y a mis les mains dans route pour de paix en Safolea? Qui est y a inauguré l'hôpital Ofatma dans Nord-Ouest? Qui est centrale électrique ville pour de paix a inauguré? Yon dossier n'a suivre. Jebson Petit, depuis Port de Paix, TAC 509. Merci, Jebson. À la traka pour la vekaïté dans le pays ici. Là. Des éducateurs et éducatrices d'Haïti, au cœur d'une migration choisie ou imposée. Rebondissement de l'histoire, c'est sous thème ça. Responsable Confédération nationale éducateur, éducatrice Haïti, organisé vendredi 30 juin 2023. 11e congrès annuel, une cérémonie qui était déroulée en présence ministre éducation Nesmi Maniga, ancien premier ministre Jacques-Édouard Alexis, recteur université Kiskeya Jacques Lumarc, et plusieurs représentants CNEH qui étaient sortis dans divers départements dans le pays. Représentant syndicat enseignant, monsieur Jean-Bonal Fatal, qui était présent dans la cérémonie, fait qu'on est gouvernement impose yon phénomène insécurité pour forcer enseignants yo à immigrer dans l'autre pays, yon façon pour capable craser système éducatif haïtien. Jean-Bonal Fatal pi loin précise traitement enseignants yo ap konnen montre à clé zafè éducation dans pays d'Haïti pas yon priorité pour gouvernement en place là. Jean-Bonal Fatal tenan micro TAC 509. Est-ce que l'immigration des enseignants est imposée pour choisir? Nous nous rappelons, en 1960, la dictature a tout fait pour forcer nos enseignants à se rendre en Afrique, notamment en Afrique et francophone, lors de la décolonisation et vers le Québec. Aujourd'hui, on nous impose une insécurité extrêmement grave. Une insécurité pour forcer encore les enseignants, les éducateurs et éducatrices à laisser le pays. Les éducateurs, professeurs d'école, directeurs d'école, à tout laisser
qui côté un pays capable d'aller si le pays n'a pas d'écosystème d'éducation qui compétition. N'en déplaise à l'ancien premier ministre Jacques-Édouard Alexis et les responsables du ministère de l'Éducation nationale qui sont dans cette salle, on dit souvent, même l'enfer est pavé de bonnes intentions. À la traque à papa. Secrétaire général Confédération nationale éducateur et éducatrice Haïti Rose Thérèse Magali Georges dans intervention le fait qu'on est à travers congrès ça yo pral réfléchi sur différents problèmes qui gagnent dans système éducatif haïtien principalement phénomène migration li dit qui méritait bon genre réflexion à cause d'une série professeur qui a parti quitter pays a mettait sous ça insécurité a qui empêchait l'école de fonctionner comme ça doit. Magali Georges t'es dans micro tax 609. 40 enseignants ont été formés à l'utilisation des outils numériques en éducation avec l'aide de l'International de l'éducation. 100 enseignants ont reçu une formation en sciences de l'éducation avec le support du Centre de formation de l'école fondamentale de CEPEP, la Centrale des syndicats de Québec, l'International de l'éducation et la Fédération canadienne de l'enseignement. 3 femmes ont suivi au CREFI une formation en licence en sciences de l'éducation avec le support de la Fédération canadienne de l'enseignement dans le cadre de la professionnalisation des femmes et des femmes. Sans omettre les différents séminaires du groupe Croissance sur le budget adressé au cadre de la CNH. Ce congrès, c'est enfin l'occasion de remercier publiquement l'International de l'éducation d'avoir rendu possible notre solidarité avec l'enseignant du Grand Sud lors du séisme du 14 août. Grâce à l'International de l'éducation, on a eu un support direct cette année. En plus de poser les problèmes liés à la condition enseignante, vous avez choisi de travailler sur des sujets d'importance stratégique pour la planète et notre pays. Employé laboratoire à l'hôpital, mi balais protester contre décision responsable yo prend dans l'hôpital là pour évoquer des employés dans laboratoire peut-être yo gen plus compétences que certains responsables hôpital là d'après ça protestataire yo fait qu'on est en qu'on a yo révoqué parce qu'on gen plus compétences à la traque pour avec Haïti des employés ça rejoignent révocation sans yon lettre avertissement d'après protestataire yo qui mande responsable yo retourner sous décision ça. Yo te tout profité exige pi bon fonctionnement dans laboratoire. Estime Luxon ak Lamandie Vanel se de parmi protestataire yo en nou koute yo ki t'a parlé nan micro tax 609. Chef qui dans l'hôpital yo qui prend des décisions arbitraires contre employé l'hôpital là. Non seulement il prend des décisions arbitraires et yo choisi moun ki pi compétent yo pour yo voyer pour yo révoquer sous base arbitraire parce que y a un problème avec mon nom. L'hôpital ça a des problèmes compétences par son monde, les joints chasse tout et tout, les révoquer. C'est notre objectif ça a fait mouvement, y a révoqué un monde pour nous dans le laboratoire. Y a révoqué et pas pour nous, y a révoqué un monde pour pays là, mais pas pour nous. Y a révoqué un monde qui soucié, y a un monde ma bosse comme y a une information que au cas pas de connaître. Mon ça moi-même c'est mon mi-balai. Gendé le monsieur déplacé sur ma rouge à pied les mouvements lock à pied à travers ces barricades voyez coup de bouteille la excusé pour le cap passer pour le cap venir travailler c'est mon cap venir là depuis 7h du matin pour quitter là 8-9h du soir. Ça veut dire sous base que n'a et une série de matériel une série de intrants pas gagné pour laboratoire à travail parce que mon yo veut écraser laboratoire la revendiquer le des matériel peut-être ça yo révoquer là. Nous portons solidarité nous avec elle, nous portons solidarité nous avec Moun Mirbalè parce que le laboratoire faut qu'il fonctionne, change de fonctionner. Mais nous portons solidarité, ça veut dire qui ça a demandé exactement? Nous demandons retour Mounsa, qui c'est Leslie Genelien, avec Mme Mirlène qui a révoqué,
sous base arbitraire. Deuxième bagaille nous dit que nous devons joindre tout service dans le laboratoire. Nous portons des revendications pour moun Mirbalè, pour moun pays d'Haïti, parce que le laboratoire l'a servi, pays d'Haïti l'a servi Mirbalè. Nous probablement les plus revoyons mon aller. Faut que vous bal préavis. Donc, M. Genelien n'a pas gagné rien. Il n'a pas gagné pièce lettre de blâme qu'il a subi déjà. Ça fait un. L'autre bagage encore. Donc, vous pas qu'avant, vous n'allez sans pas bal avertissement que vous voulez aller. Ou en x seulement relais, les ballons lettres y aller. Oh, il va voler. Oh, 10 ans. Oh, il va prendre lettre de blâme. Donc, ça, nous pas fini de comprendre. Nous besoin pour les sous-humaines clair avec nous. Est-ce que c'est toute équipe laboratoire qui veut y aller? Parce que nous pas aller sans M. Genelien et Mme Mylène. Nous avons demandé aux sous-humaines, comme si son bagage sérieux à régler non ligne nous on parle à l'hôpital là si c'est comme ça on parle avec yo tout dit a camper 10 ans ça veut dire l'hôpital là l'a inexisté et nous à la traque pour la veca était papa dans pays ici là qu'on y a l'autre tendez yo a révoquer l'autre parce qu'il a plus compétence parce que l'autre bagaille extrêmement compliqué papa ici pour reste information on a fait place ensemble avec sévère. Une autre fois, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bonjour Foucault, merci en pile. On a poursuivi avec information yo. Plusieurs agents police nationale d'Haïti procédé à arrestation de homosexuels dans Tigouave vendredi 30 juin. C'est un timoun 16 l'année ak Rolnay Simplice. Selon information qui rapportée par plusieurs médias locaux, adolescent confirmé l'était dans rapport sexuel dans Tizonay avec Rolnay Simplice qui a 41 l'année. Victime a révélé qu'il a accepté offre 2500 goud. Ronel Simplice a été proposé en échange pour le capable coucher avec lui. Yon montant, Ronel Simplice n'a pas respecté. L'autre information, deux membres puissants gang, la police posait la patte sur eux. C'est la police dans la commune Sodo, département Saint-Pierre qui a été appelé. C'est Pierre-Jean El Prade Junior ak Joaquin Parto Toussaint. Tous deux, c'est membres yon gang qui a opéré dans le citoyen. Quant à pour Joaquin Parto Toussaint, impliqué dans l'assassinat citoyen Rolak Georges jeudi 17 novembre 2022 dans la localité Orangé. Pour qu'on y a là, il y a tous deux en garde à vue en attendant suite judiciaire nécessaire. Gagné policier Mac Etienne Joseph, responsable à prison civile Gonaïve, qui a arrêté vendredi 30 juin 2023. Il est reproché parce que libéré nommé Jétro Maximilien en place, Jétro Maximé, qui n'a en prison civile Gonaïve. L'autre dossier dans le journal, là, gagné unité lutte contre corruption qui, depuis un bon bout de temps là, qui a fait un pile visite dans diverses institutions dans l'État, dans l'idée pour capable mener enquête sous Zach corruption. Travaillé a pas arrêté inaperçu dans la société haïtienne. En effet, après le fin débarqué dans SNGRS, fois ça, c'est ONA qui concernait. Dans la correspondance, directrice ONA, voyé par directeur financier, Pierre-France Lubin, l'imandé pour capable mettre le disponible pour enquêteur ULCCO, jeudi lundi 3 juin. Bon, 10h, naman. On va aller dans sa queue avec visite secrétaire d'État, secrétaire général Organisation Nations Unies qui fait en Haïti 1er juillet. Pendant visite, ça a été chita parlé avec Premier ministre Ariel Henry. Rencontre te chita a été faite dans la résidence officielle Premier ministre dans Musso. Et puis échange te chita sous insécurité, crise humanitaire. L'élection générale est la triée. Visite en Haïti, samedi 1er juillet, secrétaire général Organisation Nations Unies, Antonio Guterres. C'était première visite en Haïti en tant que numéro 1 Nations Unies. Antonio Guterres a été recevoir par une délégation qui composait Premier ministre Ariel Henry, deux ministres dans le gouvernement et le directeur cabinet dans la résidence officielle Lina Musso. Selon communiqué primature, c'était occasion pour Premier ministre exposer appréciation à secrétaire général ONU sous situation au pays. Échange de chitato sous insécurité, crise humanitaire, augmentation cas choléra, insécurité alimentaire et élection générale qui de fait en d'un pays. Sous Bopal, le secrétaire général a présenté visite ça comme une visite solidarité qui fait avec humilité. Monsieur Guterres a souligné Nations Unies a mis tout en œuvre dans l'idée pour capable permettre avec Haïti relever.
Dans sa cure avec la situation politique et pays, chef gouvernement précisé avec attention, monsieur Guterres, consultation qui lui affirmé, lui initié bon côté acteur politique avec société civile dans l'idée pour élargir consensus national là, d'après bureau premier ministre, qui souligne importance implication ONU pour stabilité sécurité pays. Pour le ministre Ariel Henry également réitéré détermination équipe gouvernementale là, pour mettre en branle le processus électoral là, dans l'idée pour permettre avec peuple haïtien pour décider dans un avenir proche choix représentant différents niveaux postes électifs toujours d'après communiqué si là. N'a toujours été avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres Janondoula qui boucle samedi 1er juillet visite 24 heures fait dans pays dans conférence de presse libre dans salon diplomatique à Porto Saint l'ouverture là et avant te prendre avion pour te prendre direction États-Unis. Monsieur Guterres dit te parlé avec autorité haïtienne une situation sécuritaire économique et alimentaire critique pays a traversé et puis après ça demande rivé une force soutien international avant les encourager un retour à la normale démocratique en d'un pays. Par la conférence de presse, Antonio Guterres soulignait également nécessité une voie politique inclusive qui dirigeait par Haïtien vers élection et puis retour l'ordre constitutionnel en Haïti. Les condamnés avec dernière rigueur violence sexuelle qui exerçait par gangio pour capable instaurer la pérèse dans certains quartiers région métropolitaine Port-au-Prince. Presque deux années après assassinat du président Jovenel Moïse, secrétaire général a attiré attention sur nécessité pour que auteur Zaxila capable arrêter puis traîner devant la justice. De l'autre côté, Antonio Guterres réitéré soutien ONU by Haïti et puis lancé appel fort by communauté internationale là pour continuer soutenir Haïti avec besoin humanitaire et puis lancé appel à déploiement immédiat yon force internationale. Niveau organisation Nations Unies dit il était gagné yon échange fructueux avec acteurs haïtiens. Il était profité tout pour encourager pour capable dépassement de soi bon côté acteurs politiques haïtiens pour capable faciliter émergence une vision commune susceptible pour capable encourager et engager pays sous voie démocratique. Li quoi tout et li capable gagner un consensus élargi puis arriver à normalisation la vie démocratique en Haïti. Si le secrétaire général des Nations Unies a encouragé communauté internationale là pour capable autoriser déploiement immédiat une force de sécurité internationale robuste pour assister police nationale d'Haïti en lutte contre gang toutefois, li pas tant mesure pour avancer une date ni un concernant dossier ça. D'après lui-même, Conseil de sécurité des Nations Unies doit prendre une décision positive par rapport avec demande ça. Après Antonio Guterres qui effectue première visite li en tant que secrétaire général ONU Abgen pour aller dans Trinité et Tobago côté l'Abgen pour participer dans sommet pays communauté Caraïbes côté premier ministre Ariel Henry Abgen pour participer tout. Réaction bien rapide suite avec visite ça gain mouvement point final qui reformulait demande plainte contre l'État haïtien avec madame Lalime pour crime contre humanité en Haïti. Na, et mouvement point final reformulé demande li Jean Ondoula pour capable faire suivi dans lettre plainte contre madame Hélène Lalime avec l'État haïtien pour crime contre humanité en Haïti pendant Rennes puis Ray PHTK sous pouvoir. En Haïti, les chita sous cas homicide, massacre et puis non responsabilité autorité haïtienne dans résolution crise insécurité en Haïti. Visite à secrétaire général des Nations Unies en Haïti, mouvement point final reformulé demande li. Dans 12 l'année, régime PHTK, pays en connaît environ une trentaine de massacres avec milliers de cas homicides parmi eux, nous capables de citer homicides policiers, policiers qui mourent, grands dignitaires, sociétés haïtiennes qui assassinés, par exemple, assassinat de M. Figuier d'Orval, Grégory Saint-Hilaire, Marie-Antoinette Duclerc, Diego Charles, Éric Jean-Baptiste, ak parmi massacres qu'on capable citer massacre Grand Ravine dans l'année 2017, la Saline novembre 2018 ensemble massacre cité Soleil Belle et la Plaine Croix des Bouquets Delma Sousma là et la Trier. En plus mouvement point final profiter présent secrétaire général Nations Unies hein, en Haïti pour annoncer que communauté internationale à travers un groupe qui gagne la dans tête li États-Unis Canada avec la France mette tête ensemble pour gagner un plan génocide à guerre civile dans pays qui a plus grave passé génocide qui était gagné dans Rwanda et Balkan dans l'année 94. Comportement corps groupe avec Nations Unies dans gestion crise haïtienne violée principe responsabilité pour protéger communauté internationale là envers nation qui en crise.
sans oublier mentionner Nations Unies lui-même violer principe de déclaration universelle droit monde dans affaire assistance humanitaire et protection une population qui en danger puis exposée à guerre civile et puis génocide. Mouvement point final mandat à secrétaire général Nations Unies monsieur Antonio Guterres pour mettre accent sur plainte qui déposée contre l'État haïtien puis madame Lalim pour crime contre humanité en Haïti pendant régime PHTK pouvoir en l'année 2011 jusqu'à gouvernement de facto Ariel Henry. N'a noté sous gouvernement Ariel Henry dans deux l'année Haïti qu'on est plus passé plus massacre dans ensemble l'autre gouvernement histoire contemporaine pays d'Haïti. Toujours réaction suite avec visite secrétaire général ONU en pile réaction gagné historien Georges Michel qui fait qu'on est blanc yo pas innocent dans phénomène insécurité qui a gagné en d'un pays dans sens ça historien quoi c'est blanc qui pour venir résoudre la crise là en côté Georges Michel. Monsieur Guterres comme secrétaire général de l'ONU bien connaît que ces organisations ni qui en 1994 mené Clinton à toute colonie dans pays pour venir faire chouer la vie au cas de l'armée christian ça. Bien qu'on ait que l'ONU est directement responsable de la situation, ça, elle connaît Fort Evangile. Mais la bon, situation qui vit, c'est que en 1994, quand il était chaud pour avoir le pays, c'était en promenade, c'était pas, il pas fait pour la galerie. Qu'on y a son l'autre bord, le chrétien et l'aile, qu'on y a gué mourir, qu'on y a gué tué haïtien, gué tué monde. Bon, pour politique très élevée, et on va avoir un État qui accepte de prendre tête l'opération, parce que ils craignent échec et ils réalisent que situation ça compliqué et que bon coût politique très élevé que pour payer. Normalement c'est américain qui vous a fait. Mais américain tellement malin, américain saute chaud en Afghanistan, Biden c'est pas nég déjà en faveur d'intervention. Il est d'accord pour principe d'intervention, mais il est d'accord pour l'autre pour nous faire. Donc Biden déjà été dévolu sous Canada. Mais Canada quand dit Maurice Sixto, ça belle bon coup pas du métier. Canada pas aucune expérience, c'est pas ça. Le Canadien connaît, il n'est pas capable. Et général Canadien, ça a très clair l'intervention. Et Premier ministre canadien, M. Trudeau, son premier ministre minoritaire. Imaginez-vous que si on tue un soldat canadien dans le village de Dieu ou bien dans la ravine, ça pourrait déclencher une tempête politique au Canada de Halifax à Vancouver. Trudeau va casser Kajou Sabou. Donc l'obligé de déclarer forfait. Donc c'est dans ça qu'il est là, il a préparé l'intervention pour mener le pays à tourner dans la paix et la pacification. Parce que m'tendez à parler élection l'autre bord, mais l'homme dans des affaires obligé ri parce que pour pas qu'à faire élection dans le contexte que vous y êtes là. Moi, les Nations Unies nommé un écrit le monsieur William Smith comme Smith dit même bagaille que l'élection pas possible. Pour parler de l'élection, on y a alors qu'on pas parler de pacification pays, c'est peut-être pas c'est qu'à boire qu'on mettait devant bœuf. Donc, nègre qu'on est, faut pacifier pays avant pour faire élection. Parce que si on fait élection en gagote ça, c'est grand bandit pour aller voter, c'est bandit pour aller candidat. Ou alors éviter l'homme premier ministre, ou après iso sénateur, ou après il a pu député. Et relativement à Ariel Henry, au début, Ariel Henry pas gagné 2 ans au pouvoir là, au début, rien à faire de faire intervention, pas de sous ça du tout, pas de blé. C'est blanc tordi pour y être qui fait monsieur Mandé intervention, même ce style pas blé. Monsieur trop content que l'intervention pas qu'à faire. Dans quel pays du monde, vous entendez, comme on a eu le secours que quand il y a boulé, par exemple, il y a eu le secours en octobre, ou il vient là juste juillet l'année prochaine pour compléter le secours. Blanc ça a été doué rond, parce que qu'on a c'est le bien qu'on a c'est au créé situation, hein, pas imbécilité, c'est cabrit bré. Cabrit dit c'est ça qu'on va te parler. Faut que nous, pensez que faut ça possible, mais faut que tu continues à mettre pression, et sous blanc, et sous bandit. Parce que ça fait nous un petit souffle depuis fin avril, c'est opération Bois-Calé. Et ça fait un peuple haïtien faire Bois-Calé, c'est parce que l'OL pas capable encore. Le peuple haïtien a besoin de vivre, les bouquets ont tout yel, les bouquets ont massacré, les bouquets ont empêché l'algonaïve, les bouquets ont empêché le passé matissant. Et si blanc est venu depuis octobre, Ariel demande l'intervention, quand pile monde qui va la mourir. Bon ami, mon docteur Fi, mon gros docteur Fi, vite l'homme tué lui, parce que c'est kidnappé le fille à résister, le mourir, le tuer Fi, c'est un scandale par hasard. Mon professeur de l'école, maman petite, qui était dans un camionnette, je vois qu'elle a pété, le 24 avril, ça a été hier. Dame n'a pas une balle dans la tête. Il était professeur de normalien, un grand professeur lui. Tout le monde savait pas de pas mourir. C'est des exemples pour parmi 10 000. Pas de force pour m'abandonner. Faut les forces. Et d'ailleurs, on traité créé le tiers, le traité inter-américain d'assistance réciproque, qu'on signe en Rio de Janeiro en 1947, qui fait que tout pays s'y attaque, pays ça, traité ça. L'organisation de la pays qui attaque, c'est tout qui attaque, il y a tout pour aider pays. Ariel connaît pour invoquer le tiers, il t'a besoin d'être déjà. Il refusait de signer l'aide là pour activer le tiers.
Donc, de toute façon, solution intervention étrangère, c'est pas un bas idéal, mais c'est un bas conséquence directe d'intervention 1994 qui déstabilise le pays. Intervention 1915, là, c'est pacifié le pays, parce que c'est une situation qui était voisin à Sanabrive, là, dans le Kako. Différence qui est entre Kako, 1915. Maître André Michel qui confirme que SDP a rencontré le secrétaire général Antonio Guterres pour renouveler demande pour capable d'une assistance militaire dans l'idée pour aider Haïti faire face à l'insécurité. D'après homme de loi, c'est Marjorie Michel qui était représentée et Sictien et puis annoncé qu'il était ouvert pour un dialogue entre l'autre acteur pour capable résoudre crise qui vient d'un pays. En côté Maître André Michel. Cité populaire SDP fait partie de différents groupes politiques qui a rencontré, on capable même dire qui rencontrer, rencontre pratiquement fini, qui rencontrer monsieur Guterres. Rencontre ça, c'est l'ancienne ministre à la condition féminine, madame Marjorie Michel qui représentait SDP dans la rencontre ça. Et la position que nous avons toujours défendue dans tout côté qui vient de discussion, dans toute forme de débat, et c'est même position Marjorie Michel a défendu devant M. Guterres, c'est la position du SDP. Cette position, c'est quoi? Oui, le dialogue inter-haïtien doit se poursuivre pour nous joindre meilleure façon pour nous sortir de la crise multidimensionnelle pays à aujourd'hui. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est le problème kidnapping, c'est le problème insécurité. Et la position du SDP est très claire. Nous avons besoin d'une force internationale en support à la police nationale d'Haïti pour nous capables de craser gang dans le pays, pour nous éliminer gang, pour nous éliminer kidnapping dans le pays. Ça, c'est notre position. Le pays a besoin d'une force internationale d'appui à la police nationale d'Haïti. C'est la seule façon pour nous écraser gang, pour nous mettre sécurité dans le pays, pour nous faire révision constitutionnelle, pour nous mener le pays à non processus électoral libre et démocratique. Bon, bah, après, le procès dit ça. Mais moi, je pensais que Guterres lui-même, il était bon en position sur question, hein, pays a besoin de force internationale robuste. Et l'expert des Nations Unies en matière de droits humains, il était en Haïti, et dans la déclaration, tout, il dit pays a besoin de force internationale robuste. Et en plus, le monde comprend que pays a besoin de force internationale. Et je crois que M. Guterres est ici, il a rencontré un peu le monde, et l'a sorti encore une fois, avec la conviction que nous avons, que nous besoin d'une force internationale robuste pour supporter la police. Et ça me croit, bah, d'ici ça quoi le résoudre le problème, non? Mais il est clair que dans les conditions actuelles, dans les circonstances actuelles, sans une force internationale d'appui à la police, et n'a pas pire en pire difficulté pour nous faire révision constitutionnelle là, pour nous mener un pays à un processus électoral démocratique. C'est quatre là-bas, tout à terre, après ça l'a tourné, et quand il va aller, il n'a pas temps pour qu'on rencontre avec chaque monde. Pour vrai, il va comme ça. Pas de temps pour ça. Dans ça, quelqu'un pourrait critiquer qu'il a tombé sous d'eau pour voir en place à comme quoi les pagaient volonté pour résoudre l'insécurité. Pour André Michel, groupe Mounsayo qui pensait comme ça, c'est parce qu'il voulait prendre pouvoir. Si il était en place pour voir en place là, il tape agi même gens. En côté, on l'autre fois, Maître André Michel, toujours dans Mikotak 509. Problème nous gagnons que nous avons besoin de support international là, c'est pour question sécurité, c'est pour question kidnapping là pour nous combattre. Pas aucun gros technicien qui dit ça. Pas les politiciens qui disent parole. Pas aucun gros technicien qui dit ça. Pas les politiciens qui ont besoin que dans le cas du pays, pour prendre le pouvoir, c'est eux qui disent ça. Et même ça, si demain ils ont le pouvoir, ils ont demandé force internationale. Pas d'hypocrisie dans la question ça. Pas de volonté, ça sont plaisanteries. Et qui force police ou gagne? Combien de policiers ont gagné? Est-ce qu'on a suffisamment de policiers pour faire face à la situation? Combien ont gagné? Qui savent gagner en encore moyen? C'est pas une plaisanterie. Ou bien plus passer 27 000 km². Combien de policiers ont gagné? Et de ce qu'il s'agit? Qui savent gagner comme moyen? Qui savent gagner comme matériel pour faire face? On a parlé de sécurité, on a parlé de magie. On a de volonté politique, c'est blague à c'est comme si un gado, il y a même sous au pouvoir d'un matin, après une claquer de voiture, puis on résout le problème. Mais on va prendre le pouvoir. Nous ne prenons pas le pouvoir, c'est tout et tout et Jovenel. Et ce n'est pas nous tout et Jovenel. Si nous te prenons le pouvoir, le projet politique nous te gagne, hein, son l'autre bagaille. Mais c'est tout et Jovenel. Nous ne prenons pas le pouvoir. Les gens qui ne pas comprendre ça, ils ne pas comprendre ni. Ce n'est pas force démocratique qui prend le pouvoir. C'est tout et Jovenel. Et ce n'est pas nous tout et Jovenel. Attention, hein. Il faut bien analyser les choses. Gagné ancien sénateur Nenel Kasiki qui visite sa place li, elle considéré mois juillet comme rendez-vous politique. Li pa mis de l'eau dans bouche li tout pour critiquer certains acteurs politiques qui pa décidé chita parler pour résoudre la crise là. En côté Nenel Kasiki. Visite là li gen place li parce qu'il a été en crise, Guterres c'est une personnalité qui est plus importante dans le monde là et li décidé visiter Haïti dans le moment ça et message li probablement pour peuple haïtien, pour qu'on connaît,
et comment les pour faciliter bien on véritable sortie de crise, parce que nous d'accord et je n'ai je dis un rapport de force là, rapport politique là, c'est international là qui gagne, c'est Nations Unies, c'est les États-Unis, c'est le Canada et c'est la France, c'est eux qui gagnent, c'est eux même probablement qui mettent des gels dans la crise là, si vous voulez. Et je pense que le mois de juillet hein, sont mois politiques, parce que le 1er juillet, Guterres là, la parler et lui pour ton message. 5 juillet, c'est une faire confiance avec l'information que nous avons, et c'est le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui pourra parler avec le premier ministre de facto. Je pense que, il y a un message pour Haïti. Et si, il voulait mettre fin dans la crise après deux ans, et dans la transition, qui pas allé avec consentement population. Deux ans, côté situation pays à venir plus grave. Deux ans, et côté grand goût, chômage, misère, problème logement, monde déplacé, insécurité, côté fuite, cerveau, c'est deux ans que pays a, pour moi-même, arrivé dans profondeur. Somme d'où c'est avec un pile amertume, avec un pile déception, et que même d'où ça, je dis à crise Haïti a, international là, gagne une contribution qu'il a joué là-dedans. Pour qui ça? Parce que à Ténouyo, pas voulez mettre yo ensemble pour yo chercher solution hein, pour yo entendre yo. Et yo tout y a plein blanc, c'est une conception esclave, son conception et pour moi même de sous-hommes et qui pas décidé yo même en tant que grand monde pour yo chita son comportement minier tout monde pour yo chita et de chercher solution ensemble. C'est grave. Jodia nous devons sanctionner tout monde que nous trouvons qui est en contravention avec la loi et qui pas respecter les règles démocratiques. Mais il y a bon gens pour fait laisser un pays souverain. Et lui doit faire son base, premièrement, de justice. Et il faut qu'il y ait un dossier pour nous. Et il faut qu'il pas fait son base de persécution politique. Et il faut pas fait son base de discrimination, de racisme. Si c'est sous base ça qu'il fait, il n'y a pas porté résultat. Parce que nous croyons l'important, il y a des gens qui posent des actes. Par exemple, des gens qui ont fait violence, qui ont tué des gens, des gens qui ont fait commerce d'armes, des gens qui ont fait tout bagaille ça, qui ont financé terroristes. Mais les gens qui ont fait des mesures qui prennent compte, mais dans le cadre d'un pays souverain, de bonne façon pour le bon. Pour l'idée politique, André Raphaël, Soubopal, demandé acteur politique qui a pris en compte le secrétaire général des Nations Unies. Pour pas de baisser tête devant. Du coup, président Antonio pas résoudre problème non, c'est plutôt l'État qui pour prendre responsabilité en côté André Raphaël. Pas oublier que nous sommes membres à part entière des Nations Unies. C'est-à-dire, je dis à nous croire que il faut que nous changions le comportement nous face à gens qui habituent à traiter nous au niveau des Nations Unies. Et l'homme dit ça, par exemple, et que chant aide, si aide y a pas nous qui vous qui pas qu'à permettre que nous résolvions le problème nous. Hein, je dis, il faut nous traiter un grand monde avec eux pour nous capables de jouer un plan de développement durable. Si c'est crédit, il y a banon, il y a banon crédit, qui nous permet de nous résoudre le problème, les mêmes gens, ils font pour l'État, l'autre pays. Yo. Parce que nous sommes pays, même gens à tout l'autre pays, nous sommes États, même gens à tout l'autre État. Ce problème de sécurité, là, nous croyons que je dis, son problème, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs volets là-dedans. Et problème insécurité, là. Faut nous clair sur lui. Son insécurité sociale, son insécurité criminalisée, son, je veux dire, si on a posé problème insécurité, on n'est pas capable de poser problème insécurité, là, à travers misère, à travers souffrance, à travers l'État qui exclut, on exclut un ensemble de monde dans la société, là. Moi, pas, c'est pas, présence secrétaire d'État, Nations Unies, qui permet de nous résoudre le problème insécurité, là. C'est nous d'abord, en tant que société, en tant que peuple qui pourrait définir une politique sociale qui vous permet de dire à si jeune 15 ans, si jeune 5 ans, si jeune 15 ans, c'est l'école pour aller, c'est métier pour apprendre, c'est pas ZAM pour nous faire. C'est l'État pour rejoindre en termes de services, pour encadrer, pour faire orientation, pour faire intégrer la société. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas croire que c'est ça, nous ne pouvons pas croire que c'est venu qui permet ça résoudre, mais nous croyons, je dis à Haïti, nous sommes membres des Nations Unies, il faut que nous changions façon que on te qu'on a traité avec eux ou bien qu'on a traité avec nous qui pour permettre je dis à nous et résoudre c'est-à-dire problème que nous gagnons sur le plan développement
en deux pays. Ancien sénateur Fresnel Denihu, Serité Kouassi Haïtien qui pour mettre tête ensemble pour résoudre un problème qui gagne, c'est pas blanc qui vient résoudre. Ancien parlementaire quoi plutôt dans renforcement policier ou l'intervention militaire. En côté Fresnel Denihu pour plus de détails. Bon, ben c'est visite ça lui rentre dans cadre d'effort l'ONU de la fait pour les joignons ici et la crise qui en Haïti. Ya. Bon, qui considération moi-même moi capable de faire moi quoi que yon accord et malgré effort communauté internationale capable de faire, li doit venir, li doit décider, li doit chercher entre les Haïtiens. Maintenant, sincérité à franchise là, volonté pour retirer le pays à la situation d'insécurité, de problème économique, li doit venir de acteurs haïtiens, yo, même si non capable de gagner de monde qui a fait médiation, qu'il s'agit de l'ONU, de OEA ou bien de CARICOM. Jusqu'à présent, acteurs haïtiens n'ont pas montré volonté vraiment pour revenir aux solutions à la crise. Là. Oui, si acteurs n'ont pas trouvé nécessité de sortir du pays à la situation, là, ils sont confortables là-dedans, j'en vois, et gouvernement Ariel là, il est là comme s'il pas ouais, comme s'il pas comprenne, il pas attendait. Donc, il voulait maintenir la situation à la même si le secrétaire général vini, même si CARICOM, d'ailleurs, c'est ça qu'a fait là depuis 2 ans. Et Ariel là, c'est de monter, descendre, c'est de parler en pile. Donc, volonté pour nous sortir pays, il y a volonté pour nous venir à quoi, il doit venir de acteurs haïtiens pour nous capables de sortir. L'année dernière, et je crois que c'est octobre 2022, le gouvernement Ariel a fait demande ça et depuis le A, les États-Unis étaient toujours, et en tout cas, le secrétaire général a lui-même était bien accueilli et question ça, même le Tigayen, certains États qui étaient très très réticents par rapport à la bataille pour hégémonie que qu'on est des pays comme la Chine, la Russie a mené face avec les États-Unis, donc c'est toujours gagné, il y a une sorte d'entrave, mais en tout cas, le secrétaire général lui-même, donc plusieurs fois, l'y appelé et a, donc ça va étonner nous que ils continuent la même logique là. Et à côté de ça, c'est question élection. Bon, sûrement, il y a une demande élection faite tout de suite. Et comme question élection, il y a question sécurité. A, donc toujours est-il, il y a une continuer faire plaidoirie pour force et pour force d'intervention entre les pays. Il y a bien que nous-mêmes, nous pensons que et c'est vrai, nous besoin support de l'international et qui apprend diverses formes. D'un coup équipement, d'un coup technologie, formation. Nous, quand même, il y a des militaires qui viennent et qui viennent montrer nous manipuler certains appareils que nous avons, même nous pensons que c'est force et public, nous, l'armée, la police. Et pour mettre la capacité pour résoudre le problème non, et durablement. En réponse avec appel, le président dominicain Luis Abinader a été lancé pour capable aider les pays ici. Hein? Vice-président Salvadorien indiqué, ministre Affaires étrangères pays à pays d'Haïti, si dans pays États-Unis, il y a un accord pour que Salvador installe yon bureau coopération dans une ville pays Caraïbes d'après presse dominicaine. Pendant discours li réunion SICA, président Luis Abinader a lancé appel ba membre pour soutenir résolution récemment organisation État américain ont publié puis encourager État membre pour voir immédiatement aide à Haïti pour renforcer police là. Et dans fin sommet ça chef d'État gouvernement système intégration Amérique centrale yo pays où la Belize est transféré présidence pour temporaire organisation SILA ba République El Salvador. Gagné une visite officielle ministre canadien Affaires étrangères dans le pays sud-américain qui était faite dans la 4e rencontre dialogue partenariat stratégique Brésil-Canada. Principal mécanisme en coopération entre deux pays. Mélanie Joly qui était abordée avec Lula, programme environnemental avec possibilité pour augmenter investissement canadien dans le secteur énergie renouvelable dans le pays Brésil selon la présidence brésilienne en note qui relayait par plusieurs médias brésiliens. Pendant la réunion ça qui était fait dans palais Planalto dans brésilien, Lula Joly également t'est partagé nécessité pour mettre ensemble avec les fonds internationaux en faveur renforcement sécurité avec institution en Haïti. Joly ak homologue brésilien Moro Vieira t'est signé un large accord coopération dans le domaine défense et ont discuté possibilité pour renforcer police nationale haïtienne. L'autre dossier dans le journal, arrivée ambulance, système santé haïtien, si on constate jusqu'à présent à Nessa. Sous 80 femmes qui accouchent dans l'hôpital Restauration, dans 68 là d'ailleurs,
c'est haïtienne sans papier selon source personnelle médicale là, ça qui est confirmé par résident local. En pile femme enceinte privée qui accompagnait personnel médical haïtien après au fin quitter centre yo quitter pays. Moun qui vini généralement sorti dans ville haïtienne qui est les Tiroli, yo 21 km restauration et parfois à cause état grave yo rivé transféré dans la province d'Ayabon, Valverde et Santiago. Assistance médicale qui engloutit pratiquement poste économique qui a affecté National Health Service dans l'hôpital ça. Facilité ambulance pour capable rentrer dans ville ça yo, susciter méfiance bon côté habitant yo parce que yo a passé en pile contrôle, deux ou trois contrôles militaires sous autoroute internationale là. Faut nous souligner cette assistance et un public restauration nous compter à peine 4 médecins généralistes, yon gynécologue à quelques infirmières ça qui traduit en pile travail pour personnel qui senti un peu épuisé. Pendant rapport naissance maman haïtienne sorti janvier pour vivre mois de mai année ça maternité ont notifié 17745 au total qui passé dans même période ça 43914 dans réseau public yo. Lama déclaré pour mois janvier année ça seulement gain 3315 accouchement maman haïtienne qui assisté pour 36% total qui enregistré soit 10 864 cas. Pourtant, mois février, selon données National Health Service, gagne 3 379 accouchements, soit 35,6% sur 9 481 qui assistaient en général. Pour mois mars, 2510 accouchements faits sous maman haïtienne qui signalait sur un total 7533 procédures qui faites. Pourtant, dans le mois d'avril, il y a 8152 accouchements qui fêtent, parmi eux 2815, soit 34,5 qui c'est haïtien. Pourtant, dans le mois de mai, 7844 est inscrit dans le réseau public, parmi eux 2726 étrangers. L'autre dossier dans le journal, il y a l'idée parti politique Uni Haïti, la NSK Noa, qui déjà prouvé des marches qui utilisaient pour capable former conseil électoral provisoire qui d'après lui-même pas consensuel. L'idée craint pour initiative ça pas conduit avec une nouvelle crise électorale. D'abord, Clarence Renoir rappelait méthode qui utilisait pour former conseil payant li pas cadré avec la loi. Ensuite, homme politique a dénoncé une procédure qui pas consensuelle qui pourrait déboucher sur une crise électorale. CEP nous voulons jeter bien le procédé anticonstitutionnel ça et puis qui pas consensuel. Nous dénoncer membre conseil qui déjà choisi et nous connaît sa fait depuis plus passé yon l'année. Bonjour, crise électorale, même cause pour le produit, même effet yo. D'après Clarence Noir qui écrit sur compte Twitter. Selon information, gouvernement qui te recevoir yon liste 26 personnalités qui te pressenti pour composer collège électoral là, d'abord réduit avec liste 20 moun avant yon transmettre li by Roi Conseil Transition. C'est instant ça qui a bien pour le désigner. 9 conseillers électoraux. N'a toujours été sous même dossier ça, mais froid ça, c'est réaction. Gagné un professeur Victor Benoît qui croit que l'élection pas possible si l'insécurité n'est pas résoudre. Pour Victor Benoît, concernant des démarche qu'a fait pour monter KEPA, il bien fait qu'on est HCT, hein, là, juste pour bail conseil, il n'y a pas vraiment pouvoir pour agir. Dans ce sens, ça, Victor Benoît conseiller, membre HCT, yo, démissionné, en côté déclaration. Et bon, c'est que qu'on y a, nous avons l'autre priorité. La priorité des priorités, et pour moi-même, si vous analysez moi, c'est la question de la sécurité pour tous. Hein, on peut qui pas en sécurité, pas capable à le faire libre, à la rue, à la faire vote, voilà, on a fait meeting, voter pour des bandits, surarmés, à faire la pluie le beau temps. Donc, je pense que c'est mettre la charge avant les bleus. Donc, je pense que, chaque prophète là, il faut un accord politique entre toutes les forces et du pays et le monde qui croit dans la démocratie. Et puis, pour que nous rétablissions la sécurité dans le pays. Donc, je pense que c'est un problème politique qu'il faut régler d'abord avant qu'on arrive à l'organisation des élections, même si rien à ce politique là dernier, hein, nous pas capable, si t'as seulement sur l'aspect technique là, technique, c'est mettre ensemble là, pour organiser l'élection. Non. Il faut créer le conditionnement politique d'abord. Premier élément de conditionnement politique là, c'est la fin du banditisme criminel hein, dans le pays. Je pense que chaque fois que vous parlez de HCTA avec moi, les conditions que vous faites là, les conditions de la fonctionnaire, sont acceptées qui n'ont pas aucune autorité réelle. Ce ne sont que des membres de ce HCT, ce sont des conseillers du premier ministre, et pas correspondre à point de vue pas moins et sur la question de HCTA. Je pense que HCTA devrait avoir une rémission présidentielle, qui n'a pas les non logiques, de pouvoir de l'exécutif bicéphale. Donc ça vous fait alarme parce que c'est pas quoi du tout. Parce que ils doivent se démarquer, c'est-à-dire que se retirer de cette affaire parce que pas une autorité réelle. D'accord?
commandant de mon grand titre sans autorité réelle. D'accord? Parce que le meilleur service est à la nation. D'accord? Et c'est retiré quoi, hein? Et que pour permettre, on négocie à son bout de crête entre les forces du pays. Ça traduit, n'est-ce pas, dis, une option fondamentale. Comment ça dire que, eux-mêmes, ils reconnaissent sa haïtio, incapacité, puis qu'on y a demandé des forces étrangères, mais pour venir remplacer au nom de pays. Ça traduit une vision du monde, une conception de la vie, une conception pas, à la vision pas moins comme patriote et comme démocrate. Comme capable de dire, quel en soit, nous y a balé robuste, pas robuste, n'est-ce pas? Donc, je pense que, comme force que la punie, là, avec l'idée, n'est-ce pas, pour les remplacer les dirigeants haïtiens, n'est-ce pas, les policiers haïtiens, hein, qui fait qu'il est pour bien responsable de la sécurité du pays, hein, d'après la Constitution. La Constitution prévoit et les forces dans l'armée et la police, d'accord. Mais même, on comprend que nous n'avons pas bien support, nous n'avons pas bien aide matérielle, nous n'avons pas bien aide technique, mais venir avec des ressortissants étrangers pour fournir le sol noir, ça veut dire que les policiers ne sont nuls, on ne peut pas penser qu'ils sont nuls. Dossier sécurité dans le journal, là, il y a une caméra mantée les pluriels qui attire attention autorité au Sénégal exam qui établit Basio en bas Mon Cabrit. Pour travailler de la presse là, c'est pas rien qui fait un bandit à bloquer route ça qui menait dans le plateau central. D'ailleurs, déjà attaqué plusieurs fois au Naville. Il y a responsable parti politique Grian qui dit le papa important ça qu'à démarche à pouvoir remplacer pour mettre sous pied KAI payant pour organiser l'élection. Il n'est rébut qu'on croit ces populations qui pour lever qu'un peu pour empêcher le prendre route ça. Leader politique a dénoncé pour le ministre Ariel Henry qui passe suspendre prend une série de décisions qui pas cadré avec la loi. Il y a responsable qu'on en a lui-même tout qui gagne doute sous élection qui capable d'organiser dans le pays pour défendre ses droits mounant pouvant en place ça, pas manifester volonté pour les autres crises qui gagnent dans le pays. En côté Edouard Poult. Ou a fait KEP? Si le premier ministre Ariel Henry a formé KEP, tout le monde connaît qui ça qui motive. Il y a un groupe politique qui avec lui, qui a monté des sangs, qui gagne pouvoir dans le meilleur. Il y a toujours capable si vous voulez. Et monter KEP avec moun que yo gen nan men yo et moun que yo fè yo ba yo mande pour vinn joine yo comme si c'est des secteurs sérieux qui choisir. Bon, sou ki ça pral déboucher? Ça pral déboucher sou on crise côté pas bien participation et véritablement compétition électorale, pas bien participation dans l'élection yo, ou capable même gens dernière élection, capable joindre on 5% monde qui a participé, ou qu'on est déjà nous gon crise et sécuritaire qui a taillé bandan dans pays a et monde pas ka monter descendre, candidat pas ka faire il est pas ka faire campagne. Bon, si vous voulez faire élection dans circonstance, il y a toujours une circonstance, atténue à plus faire les, il y a dit que y a besoin, bah, élus, qui pourront placer, etc. Et puis, sous qui ça va le déboucher? Sous des élections truquées, sous des élections contestées, et puis, c'est tout. Maintenant, nous pensons que qui j'en pour lui approcher question élection yo, sans yon accord avec un accord politique, sans lui pas mettre accord ça sous table qui pour faciliter participation tout secteur yo. Qui ça peut le sortir? On peut le sortir sur comme moins d'eau des élections, non seulement qui truquées, mais des élections en faveur de partisans politiques, de monde qui signe encore avec lui, et puis c'est tout. Maintenant, pays a pral contester l'élection. Gay City en compte corruption qui voit une correspondance à ministre en finance là. Qui sous corruption qui gagne dans pays pour dénoncer façon gouvernement de facto a pas bas importance à divers rapports qui fait sous corruption captaillé bandan dans pays. Nous écoutons l'autre fois Edouard Poult pour plus de détails. Institution ça yo nous a parlé de OAVCT, OFATMA, ONA, APN, AAN, yo mobilisé des millions de dollars américains chaque année et des milliards de gourdes de chaque année. Et toute l'argent ça a circulé dans l'économie, yo pas fiscalisé. Ça veut dire, yo pas répondre à exigence comptabilité publique.
public là, normes comptabilité publique là, yo fait ça yo voulez. Monsieur Polt, vous connaissez que gen longtemps nous fait un pile rapport sorti déjà sur question entreprise institution publique autonome yo et puis bon, yo pas moun qui a dirigé institution ça yo et puis gouvernement pas jamais véritablement pour y prêter attention à ça qui dit dans rapport. Bon, maintenant, qui ça qui n'a correspondance ça? Nous faisons ministre économie, finance, premièrement, comprendre que l'État haïtien prend engagement par devant Nations Unies et par devant OEA, les signes Convention internationale contre corruption, mais il n'y a pas jamais véritablement appliqué et engagement ça y est. ULCC gagne un pile rapport d'enquête que nous recevoir gagne tout nous pas gagne. Par exemple rapport sous sénateur La Tortue, sous sénateur Lambert, rapport sous que yo gagne sous sénateur Ronnie Célestin, nous pas gagne rapport ça y est. Cependant gagne l'autre rapport qui vient joindre nous. Par exemple l'année dernière nous t'ai pris connaissance de 10 de rapports qui étaient liés avec la corruption. Et nous avons fait un suivi avec ULCC et nous venons connaître que tout rapport ça a été déposé dans la juridiction qui concernait. Gagnien, c'est mairie Tigouave, donc c'est juridiction Tigouave, Gagnien, et c'est Gonaïve, Gagnien, c'est Grande Rivière du Nord, pour Saint-Raphaël, Gagnien, c'est, autant me rappeler, c'est Inche, mais, et puis Port-au-Prince. Donc, rapport ça yo, le plus souvent, chef parquet yo, yo prend rapport yo, yo pas fait suivi avec yo. Gen peut-être yon ou deux, nous te gen connaissance que yo mette, yo voye yo ba e cabinet d'instruction et nous ka espérer et peut-être gagner yon procès qui rive fait sous cas corruption. Mais à vrai dire, nous pas croit que n'a réussi de grands procès qui lié avec les crimes financiers. Jean nous connaît que ça c'est tant qu'on patate on patate tant qu'on c'est non capable dire les aller plus rapide que crime de sang. Ce dossier économique est plus passé 10 milliards gourdes qui collecté pour moi en juin dans la douane. Gagné 10 milliards 775 millions 21 201 goudes à 87 centimes qui collecté pour mois juin 2023. Montant ça qui considéré par responsable douanier comme un nouveau record performance pour mois juin. Grâce à lutte acharnée qui menait contre fraude dans tout bureau douane dans pays, douane a collecté un montant qui c'est 10 milliards 775 millions 21 201 goudes à 87 centimes pour mois juin 2023. Un record encore selon direction générale AGD. Performance à ces résultats, une série réforme en profondeur qui initiée par nouvelle équipe AGD qui accélérer et puis optimiser tout mécanisme lutte contre fraude à tout niveau. Direction générale là mettait accent sur lutte contre sous-facturation, ça qui expliquait régularité performance sa déclaration responsable dans douane. Depuis prise en fonction nouvelle équipe ça cadio agent douanier travail dans meilleures conditions, prime accordée à employé d'après responsable. À la traka papa. Bon, kounya la, le tout l'argent sa yo rentre, pose une question, madame. Qui sa yo fait dans le pays, papa, ici? Bakonan yon la moussonson. C'est chaque mois yo di nou tant milliards, mais qui sa kregle pour milliards yo? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime toujours aimer dire, Haïti dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, la république des coquins, seul volet au caprete, qui vivra verra, qui mourra. Kakara. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi, pour aller, m'a quitté ou nan bra papa monje parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, bah, ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas M. Foucault. N'a pas croisé, t'as l'air comme ça dans une autre vidéo. Merci ensemble avec Sévère. Merci ensemble avec tout staff là qui te permettent journal ça possible matin. Bisous, one love. Bon lundi, bon semaine et bon mois juillet.